Bonjour, je voudrais vous présenter le premier d'une série de 3 volumes sur un sujet d'actualité brûlant, l'eugénisme. Bien-être, eugenio. Le problème, nous le savons bien, c'est que l'eugénisme consiste pas seulement à sélectionner les individus particulièrement bien gratifiés par la nature, mais consiste aussi à éliminer ceux dont on juge, dont on évalue que la vie n'est pas digne d'être vécue. Cette triste tendance semble avoir habité, hanté l'humanité depuis ses origines. Nous en avons des traces chez Platon et chez Aristote, 4 siècles avant notre ère, et il est troublant de voir qu'il y a une sorte de continuité dans cette quête. Le terme lui-même remonte au XIXe siècle, 1883, avec Francis Galton, qui est, ce n'est pas un hasard, le cousin de Charles Darwin. Il veut donc donner un statut scientifique à ce qu'il appelle l'amélioration de la race. À son époque, la race blanche est considérée comme supérieure à la jaune, qui est même elle-même supérieure à la noire. Laissons maintenant ces concepts racistes, mais il n'en reste pas moins qu'une certaine supériorité du groupe humain anglo-saxon semble avoir persisté dans les mentalités et une recherche pour le favoriser. Cet eugénisme va passer de l'Angleterre aux États-Unis, ne va pas épargner la France, même si l'eugénisme français a une coloration un peu particulière que j'essaie de souligner dans cet ouvrage. C'est aux États-Unis qu'il va surtout pouvoir se développer. Avec le support des instances politiques, le président Roosevelt, et des grandes fortunes américaines, Ford, Watson, IBM, Rockefeller. Il y aura des instituts de recherche sur l'eugénisme qui seront d'ailleurs soutenus par des scientifiques de renom, Davenport, Laughlin, et qui vont conduire à une mise en pratique aboutissant dans les grandes lois de 1921 à 1924, les lois d'immigration, ou plutôt de limitation, bien sûr, de l'immigration, dans lesquelles on prétend que les Américains seraient d'origine plutôt nordique et qu'il faut limiter la venue d'Européens, surtout des pays du Sud, qui seraient des races mêlées. Bien, cela peut paraître très étonnant, et lorsque la guerre éclate, lorsque le nazisme monte, lorsque Adolf Hitler en 1933 devient chancelier, il n'aura pas cherché très loin pour développer ses théories eugéniques. Il n'a qu'à chercher les travaux des scientifiques américains, de ceux qui ont approfondi ces questions. On pourrait espérer qu'après la guerre, on a vu l'impasse de la folie de cet eugénisme. Eh bien, il n'en est rien. Avec Wilson et la sociobiologie, l'eugénisme réapparaît. Et sans doute surtout avec les tests du QI de notre cher français Alfred Binet, mais qui sont totalement interprétés différemment aux États-Unis à travers les études de Burt et de Jensen, et vont devenir, disons, le prétexte pour une nouvelle forme d'eugénisme qui se base cette fois-ci sur le quotient intellectuel présumé différent chez les différentes races, surtout la noire et la blanche, et différent parmi même les représentants d'une même race, et donc le besoin d'une sélection à nouveau. Quel étonnement de découvrir que même dans un passé tout à fait récent, je suis dans les années 70, on trouve dans un document, un mémorandum, appelé le NSSM 200, signé d'un certain Kissinger, et sur la demande, donc conçu sur la demande du Conseil national de sécurité américain, on trouve là une nouvelle forme d'eugénisme qui cette fois-ci va profiter d'un nouveau concept introduit par Ehrlich en 1970, la bombe démographique. Et voilà que l'on va invoquer l'urgence de limiter la population mondiale sous prétexte que notre brave planète Terre serait incapable de nourrir tout ce petit monde, de ce qui s'avère faux. En fait, il s'agit d'une nouvelle propagande eugénique qui va s'adresser, qui va viser tout particulièrement les pays émergents, avec des nouveaux concepts encore de santé reproductive pour limiter la croissance démographique de ces pays. Et j'essaie de montrer dans le livre ce qui est en fait en jeu, c'est les ressources naturelles de ces pays dont les États-Unis ont besoin pour garder leur welfare et aussi leur primauté, leur place, leur hégémonie dans l'économie mondiale. L'eugénisme
décidément, et semble reparaître sans cesse sous de nouvelles formes, et le but c'est donc bien de dénoncer cet eugénisme autoritaire utilisé sous le prétexte de protéger la planète Terre, utilisé en fait pour les grands États, par les grands États, pour maintenir leur domination.